chers amis, internautes, fidèles et eh bien radio, compagnons de ministère ou bien qui toujou bon toujours avec nous chaque mardi oh, encore vendredi dans une de prière nous, dans divers services que nous toujours gagnés. nous voulons remercier mon Dieu à au privilège, l'opportunité de nous. Après une journée, et du labeur, peut-être que nous malade, une journée n'est pas tellement en forme, parce que ça pour nous-mêmes, qui en Haïti, qui est ici. Eh bien, vous projet va quitter nous, tomber, il va quitter nous qu'on est des moments difficiles, et ou même qui est branché bien bonheur, nous étudier paroles, et pour nous, entrer dans la la caille, soit nous entrer dans le salon qu'on y a soit nous entrer dans le chambre, soit nous entrer dans la cuisine, nous rentrer dans la machine, nous devons conduire, nous pouvons entrer dans la salle pa et l'hôpital. Nous pouvons entrer là. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas qu'il à ou même moment nous ne partager pas ensemble. Nous sommes bien contents si vous partagez à vos amis. C'est seulement juste une répétition. Parce que nous avons des, ça déjà habitué à faire ça. Nous avons habitué à partager le service avec les amis. Nous avons habitué à partager avec, avec, avec les compagnons de genoux, les camarades. Vous. Donc, pendant que je dit ça, je vais de faire le tour avec les amis qui sont capables de brancher avec nous, soit en Haïti, Soit en Amérique, soit en Europe. Mais Nous connaissons ce qui est important. Nous sommes pas capables de commencer étudier nous sans que nous pas eh bien implorer la faveur du Seigneur à ce dans le moment que nous devons passer ensemble. C'est père en Jésus-Christ nous vous remercions pour le privilège et l'opportunité vous nous. Nous vous remercions, c'est bon Dieu nous. Même lorsque tout l'autre monde, chaque nation peut-être, chaque être humain, chaque monde qui a vu sur la terre, y a toujours connu, vous gagné, vous, vous, vous être suprême pour quelques autres qui sont plus grands par mais nous-mêmes, depuis que tu as rencontré nous, nous ne connaissons pas être suprême seulement, mais nous connaissons où est l'alpha et l'oméga, commencement et la fin. Où c'est bon Dieu, nous, pour protéger nous dans le malheur, ou avec nous lorsque péripétieux t'a frappé nous, ou pas jamais délaisser nous, ou pas jamais abandonner, nous. C'est vous ça à soi. Là. Le moment où nous passons ensemble, c'est un moment béni. Le moment où nous passons ensemble pour étudier la parole, lui. car seulement le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité pour illuminer nous. Ça, nous ne de comprendre. Nous connaissons ou la capacité pour faire comprendre ni l'offre. Seigneur, à qui ça s'est servi nous? Pour nous étudier la parole. À qui ça s'est servi nous à soya? Pour nous étudier surtout la prophétie, l'étude eschatologique. Nous comprenons à travers le moment que le monde a traversé, nous mesurons la parole. Nous faisons camper. Nous faisons camper contre. Nouvelle qui va venir. Vous venez camper contre oui ce diable-là. Vous venez camper contre le système qui a campé contre et contre l'église. Et de nous à Soya. Que le monde va servir va bénir. Et tous les amis nous qui est branché avec nous. Vous avez une intelligence soutenue. Et pour nous capables de même page. Et après, tu te donnes l'asile, tu es bon, nous sommes ensemble. nous savons au nom de Jésus, lui qui est au sommet des siècles. Amen. Encore, frère, nous actionnons, nous comptons. Donc, ce qu'ils nous ont de temps en temps à ils ont gauche-là, avec l'outil un, de un petit. Un petit, petit, petit. La denye fwa, nou te tap etudi ansam, setyeb sowa. Se zan tap etudi ansam. Mè nou toujou di ou, si sa sa trop chaj pou mèm, si li vò la pen, si ke ou pap kondwi ou besou la kay ou, Il vaut la peine pour gagné, eh bien, une Bible en main. Il est important tout pour gagner une note en main, une plume ou bien crayon. Qui un crayon. Peut-être que ça, il des moments à priver, si ça reste comme ça. Ou pas qu'on ou qu doit pas même gagner capacité, même pour qu'on de tende des paroles, ça yo. Nous devons nous préparer en conséquence. Mais sous près de notes, dans un temps, on va faire comme les chrétiens de Béré, communément appelés les Béréens. À chaque fois que Paul vient enseigner y vous parle là seulement sur sa police, mais il mais toujours à la Kayo, de repasser sa pole et vous retourner encore pour poser une question, questions, exposer le fait. C'est peut-être ça, Soya, pendant que nous avons deux bagages pour nous faire, jusqu'à toi, même pas que vous fait nous, à bas nous chance

il y a une question que je te à nous-mêmes. C'est concernant Matthieu, chapitre 9, verset 35. que nous dois pas de répondre Mais il est tellement, eh bien, au seul verset ça, il y a des détails là-dedans. Donc, nous le soin pour nous, pour nous répondre et nous prenons le soin tout pour nous répondre en dernier. Si nous répondons en dernier, la majorité monde va participer. Donc, nous toujours faisons ça, nous continuons à faire ça. Pendant que nous saluons tout le monde qui est là avec nous. Nous saluons les serviteurs qui monté avant et qui ont nous tous. C'est Frère Silvio. Nous saluons Frère Silvio, nous avons saluons soeur Jocelyne, Jocelyne, nous saluons le Frère Bruce Lee qui est avec nous, la sœur Marie-Jo. Nous ne si c'est sœur ou bien Frère Franzi, mais la famille Franzi Pierre nous saluons, nous saluons la sœur Yolène qui est branchée avec nous. Nous avons toujours fait ça, nous avons partagé l'éclat avec l'autre amour. Donc, et ça nous a commencé à soir 7e soir mais pas lié nous dépend 7e soir qui est un chapitre 8 là mais nous tourner back le chapitre 7 là parce que chapitre 7 là c'est c'est où c'est un intervalle lié entre 6e et 7e soir voyez ça Baron s'est reçu pour notre part là. Donc, ouais, chapitre 7, là, nous, nous vous comprenons-lui qui a parlé de racheter de la grande tribulation, ouais. de les racheter de la, de, la, de la tribulation. Nous vous comprenons, on a retourné là-dedans. Donc, nous devons comprendre que peut-être que ça, le septième soir il est important. C'est parce que dans l'ouverture 7 e nous jouons là-dedans sept trompettes. Et chaque trompette, il a sonné, il a déclaré ou encore a annoncé cette coupe. Alors, remarquez le, 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 le chiffre 7. Le chiffre 7 là. Il répéter en pile, en pile, en pile, en pile, dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse. Et dans le sixième sora, tout, Noël dit quand, dans le septième sora, verset chapitre 8 là, Apocalypse 8, verset 1 jusqu'à verset 5, il dit, dans le verset 7 sora, quand il ouvrit le septième sceau, c'est-à-dire l'agneau, Jésus-Christ ouvrit le septième sceau. il dit qu'il y a un silence d'environ une demi-heure. Nous te parlons en pile de silence là. L'an dernier service, l'an dernier étude, nous m'a dit passer. nous ne pouvons pas retourner sur lui encore. Et après, j'en dis, et je vis les sept anges. Qui se tiennent devant Dieu et cette trompette leur furent données. Ça dit, sept cette ça y est, il y a sept trompettes que l'agneau a tout et qui prêtent pour et bien, déclarer quelque chose. Et il y a un ange. Il et bien il y a un roi ce soir dans mes lits. Et nous expliquer ça, ça déjà. côté que on lui donna beaucoup de parfum pour offrir à trône nom, devant votre nom, à celui qui est sur le trône, Ibaiol. Et non seulement ça tout, nous sommes capables de remarquer, nous avons expliqué que, par en fin, c'est prière saint qui est mélangée avec la prière Saint-Yo pour te monter devant monde. Mais dans le même texte, dans le même chapitre de ça, il y a un peu qui sont pour nous est intéressant pour nous-mêmes. Ça est intéressant pour nous-mêmes. C'est ça nous t'a dit comme ça que l'identification de l'ensa hum c'est ça nous t'a dit comment t'a dit identifier l'ange là qui est l'ange d'ensaïe parce que si texte a dit que gagner une autre ange hein si texte a dit gagner une autre ange eh bien, qui campait devant l'hôtel-là, il grand ce soir-là, même, il t'explique que ça, à ce soir-là, et, dans ce soir-là, il y a pas faim, et, là, dans le tout, il contribue avec prière, Yo, à dire tu hôtel d'or lhôtel devant toi, non. Et, verset 4, il a dit, expliqué, la fumée n'a pas fait mon avec la prière des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. Là, ce qui priait, c'est ce qu'on fait. Alors, à remarquer, la Bible parle des saints, il ne parle pas des mouns qui mourent, des mouns qui sont canonisés dans l'église catholique. Aux diocèses c'est saint. Mais la Bible parle des saints. La Bible place les croyants et les chrétiens comme des saints. Des mises à part. Donc, nous voyons que là, nous avons expliqué dans le texte-là, côté qui est avant, où c'est t'a tabou, comme que, mais Seigneur, jusqu'il est, on va avancer sans nous. Je vous dit ça déjà dans Abraham, chapitre 6. Il dit, la fumée, c'est pour les saints. La fumée, là, c'est pour les saints où tu as monté. Tu as monté avec pour les Yo, il y a yo, et dans ta balle. Là, il plusieurs bagages pour te là. garder là, qui ange en sa Qui ange qui a le pouvoir pour servir entre les saints et Bon Dieu, d'après verset 6, qui ange ça y est? Alors, nous là, ça sont 8e ange. On t'a a connu qui ange ça y Ça est important. Donc, il y a plusieurs analyses dans la question. Ça. 8e ange là, dans l'ange là, là, là d'abord. 8e ange là, il y a. Les gens qui ont étudié la Bible. Le reléo, alors, les exégètes qui ont fait l'exégèse de la Bible, qui ont entré dans la profondeur de la Bible, ils ont regardé l'huitième ange qui est un ange Parce que, ils ne sont pas trompés. Bon, c'est avec moi. pa de trompet la men la. Li genyen, li genyen avek nou, pa fèm priyè sè yo. Tapman de pou nou nan teknisyen yo, ta fò ti pase bo kote nou an la, pou an nou genyen di wimak, nou fèm avek yo. Genyen, Et c'est Zéb qui a dit que... Engeleur... Bien. Merci. Merci très bien. Nous gagnons... Jean, il a interprété... 8ème engeleur. C'est un messager céleste lié. Et il a été apprété comme l'ange de l'éternel. Donc, l'ange de l'éternel, lorsqu'il a appelé dans Somme 34, verset 8, il dit L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache au danger. Dans Somme 34, Verset 8. Tu représente l'ange de l'éternel dans l'Ancien Testament. Ouais, l'ange de l'éternel, c'est bien dans l'Ancien Testament, l'ange de l'éternel, c'est le médiateur entre Dieu et Israël dans l'Ancien Testament. Parce qu'il n'est pas de question de païens sauvés dans l'Ancien Testament. Donc, a que plusieurs les textes de David à parler, c'est concernant et, 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 ni David, ni de sa mission, Dans l'Ancien Testament, il y a un rapport entre bon Dieu avec le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament. Donc, l'ange offrit pas fin, avec prière saint, Yo, C'est-à-dire que c'est Christ qui joue le rôle de sacrificateur dans, eh bien, la gloire. Qui est le sacrificateur yo, dans l'Ancien Testament pour offrir le sacrifice là? Mais qui est le Christ de portemonne faire? Et eh bien, là, que, mon cap étudié la Bible, vous dit, l'un, ça, vous identifiez lui avec, eh bien, Jésus-Christ comme souverain sacrificateur dans la gloire. En nous gardant 2 Timothée, chapitre 1, Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 et verset 6. Dans 1 chapitre 2, verset 5, verset 6. à remarquer, nous prenons texte là-bas ou même, parce que vous avez dit que l'ange de l'Éternel l'ange, ça, e en ça, il symbolise Jésus-Christ c'est Jésus-Christ. Et bien, il y a un bandeau, et bien, quand on voit ça, il faut pas l'expliquer. Vous avez obligé de juste l'ancien testament pour que qui rôle, eh bien sacrificateur qui, qui ça qui ça l'ange de l'Éternel qu'on fait et qu'on a là ou obligé à aller très loin t'as les abattus sur ça pour les trois titres que Jésus gagne Jésus lui lui les trois titres lui les les, les les titres qui ça les titres qui ça prophète fête les titres sacrificateur les, 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 les titres toi Ouais, il faut vous remonter à mon nom maintenant. le il bien. Là, Paul a dit: il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous? C'est là le témoignage rendu de son propre temps. En son propre temps. A remarquer là l'un peut être là. Qui ça, l'ange l'a fait? L'ange l'a pris ça. Sacrifice, la a pris prière. La potelle devant le trône. Donc, nous l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament nous dit il représente Christ dans son état préexistant. Avant son écran. C'est-à-dire que l'homme appelé l'ange de l'éternel quand autour de ceux qui le créent. Et par un ange ordinaire, mais chaque fois appelé ou l'ange de l'éternel dans l'Ancien Testament, il symbolisait Jésus-Christ dans son état préexistant. C'est-à-dire, avant Jésus-Christ est venu, fait chair, à chaque fois que l'ange de l'éternel paraît, c'est Jésus-Christ qui paraît. C'est Christ qui présentait à papa prier saint pendant une période de grande tribulation. Ah bon, t'as dit bon, 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 verset pour ça. C'est encore pour, 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 pour ça, Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Marquez ça le canal? Exode 23, verset 1 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et vous te faites arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Si toi tu te gardes et en sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonne pas vos péchés. Parce qu'il ne pardonne pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mais tu écoutes sa voix. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. A remarquer, côté que. Euh, merci. Merci. Merci pour le texte là. A remarqué le texte a dit moi avant, la, non, bah, ouais? la non, ouais. a metté bah, non, par vrai. nomme vais mettre non moi. non Non, non, 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. « Fabulez-nous l'ange dans la paix. » identifier l'ange dans la Il dit, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. » Donc, si vous ça c'est. Ouais, 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 en ce testament, eh bien Paul a expliqué, c'est ça, qui est cité, c'est Christ. Donc, ceci dit que, l'ange de l'éternel, l'ange là, là, la là, là, nous jouons dans Abraham, j'ai chapitre 8 encore, c'est Ivana, l'ange là, nous jouons dans Abraham, qui a présenté à papa, prière Saint-Yo, pendant la période de tribulation. C'est ce que nous actuellement. Laissez-nous prier qu'on y est là. Nos dispositions ça à vivre là. Qui est-ce qui peut prier à nous? Montez! Côté papa, qui est-ce qui est? Eh bien, il y a Marie, il y a le Père, pour y a prier Seigneur, Seigneur, il Marie, Marie, il y a le Père, C'est pas ça Lieu. là nous prier. On n'a pas eu de tribulation, nous dit prier Saint-Yo, pendant la tribulation. Eh bien, après, ça, l un l un prôle, il lit, C'est ça, l'ange d'apprendre. L'ange d'apprendre. Il y a le devant tout de nous. Eh bien, nous avons une bagaille. Nous entendons vivre là. Là, nous prions. Jésus-Christ nous utilisait même patience là. À vous oui, lui utiliser même grâce-là. Lui utiliser même persévérance-là, Josia là. là nous prier, bon Dieu, à garder le prier, recevoir par grâce. Lui recevoir par persévérance Et parfois, il par très patient dans l'accomplissement Josia Josiah, dans la période de la dispensation qu'il a à vivre là, prier, nous, nous yo, yo monter directement au trône de la grâce. C'est très important. Mais nous prier, prier nous monter directement au trône de la grâce. Vous ça, le ministre a dit, si nous avons une iniquité dans le cœur, nous contexte te que ça va vrai. L'aime prier, bon Dieu, bon Dieu, pas à répondre, moi. Si vous ça, nous toujours mettez ça là. Nous avons prié, même qu'on plusieurs qui ont prié comme ça. Nous avons toujours entrer avant par le processus de pardon et de reconnaissance. Avant même de commencer, nous est entré par le pardon. Nous avons prié Dieu, bon Dieu, pardonnez-nous. Donc, ça veut dire que ça, pendant la période de la grâce, là, nous disons nous prions, mon Dieu, dans la période de là, prier nous remonter au trône de la grâce. Tandis que, pendant la, la période de tribulation, prier Maturio, ce n'est pas, pas prier de protection, mais il y a des de précaution. Et prier ça, yo, il y a monter au trône du jugement. Je reprends. Pendant la période nous vivons là, pendant cette dispensation qui n'est autre que la dispensation de l'église nous dit priez Seigneur, priez l'église, prier à va faire yo. monter au trône de la grâce. Mais ça fait pas froid, vous ou qu'on dirigez, diriger diriger. que ça nous va le tendre frère tel ou bien sœur tel qui va nous conduire au trône de la grâce par la prière. Là, ça nous dit cela résonnant là où ouais, que eh bien euh, non 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 dans le jargon ecclésiastique là yo employé mot ça yo, yo pas employer comme ça comme ça donc mais pas période où tribulation hein, prier yo pas marcher prière des priécations si m'ta dit d'après étude que dame dise là n'a fait là qui texte qui va nous, nous prier de précation, comme je dit disais la dernière fois, nous avons un monde qui intelligent, nous avons déjà. Eh bien, pour nous ta cherché dans notre nous, qui versait, qui va nous, la prière de précation. C'est David qui a cherché le nous là, c'est le bijou qui a cherché le nous là, je vous dis, ah? nous avons Gabriel. Donc, donc, nous, eh, pendant euh, euh, bah, ma presse continue, ou même qui sont qui, là avec nous, si vous songez, vous mais seulement euh, écrire un commentaire là, puis vous voyez pour nous, et puis je suis bien content pour vous que vous êtes là avec nous. Nous disons pendant la période que nous vivons là, nous sous la disposition de la grâce, prier nous. vous n'avez pas prié de précaution. Voilà pourquoi, hein? Vous prier bon Dieu, contre tout le monde qui fait mal. Et puis, vous avez toujours vivre encore. Vous avez toujours l'a vivre, toujours marcher. Vous ne pouvez pas dire que même pas arrivé. Les autres font ça. Ça fait ça. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Ça veut dire, bon Dieu a utilisé même grâce-là. La utilisé même patience la, Là, p'utilise même persévérance là en faveur de la dispensation. Ça, je dis, vous vous rejoignez toujours, verset là. Ah. Regardez dans notre nous, si nous ne pas notre nous bien. Mais si pendant la période de tribulation, ah. prière parfaite, ce sont les prières de précation, pri de précation, prière pas de que Matthieu, il a prié... Et prié ça... Y est, il a monté au trône du jugement... Alors remarqué me dit ça la dernière fois... Le texte a dit comme ça... Eh bien... Il a la, la fumée de parfum monta... Avec... Les prières des saints... Apocalypse chapitre 8 verset 4... De la main de l'ange devant Dieu... Voilà, nous ai dit ça la dernière fois. Priez à monter là. Mais ce n'est pas grâce à descendre dans de la payant eu une tribulation. Et nous voyons verset 5 là. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et as dit.

Et vous me dites, mais mon Dieu, je n'y ai rien. Ok. Nous dit là, pendant la période de tribulation, hein, c'est la prière de la grâce qui a fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la aujourd hui, aujourd hui, David. Hein Vous savez, c'est à vous de regarder. Vous pouvez s'en regarder, bien ou non, pas qu'il n'y ait personne qui n'a, et si vous n'êtes là, je n'y ai rien à Please. A yon te perso yon jenye avan. A yon gen, yon gen, yon gen. E la pa m gade m mwen vwey, si bon jen batis mwen, yon m ap poche dan le dese. Le m fote kriz kon sa ban nou men, m bon mwen. Ou gwa moun ki zim douz, douz apotre, douz tribit Israel, m bakon m wot douz moun ki douz liye, douz apotre, douz tribit Israel, douz apotre,

Jusqu'à qu'un maître saint et véritable, t'as tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ok Merci. C'est le verset 10. C'est le verset 10. Tire vengeance. Merci. Tire vengeance. C'est à même dit ça. Oui, vengeance. Très bien. Oui, le mot vengeance, c'est ça. Et nous, nous, nous saluons Maestro Étienne depuis Connecticut. Qui est avec nous. Pas oublier, partager et bien, et que ça, et n'a bien, avec, et bien avec Zem, santé, contact avec le baptême, les hommes. Si tous les nous parlent depuis longtemps, nous sommes contact avec eux, partagez pour nous étudier ensemble, bon Dieu. Alors, merci, à ah, remarquer, Très bien. Ça nous les dit qu'on y là, t'as des biens. C'est dans Abraham, ça nous y Après Abraham, chapitre 8, nous y Nous tournons là-dedans -là, qu'on est là. C'est-à-dire, prière que Seigneur a fait là, ce n'est pas la prière de la grâce. Mais ce sont des prières d'imprécation. Prières d'imprécation. Ça veut dire, mettre le dans le verset, dans 6, la, verset 10 à 10, mettre jusqu'il est, on va tirer vengeance. Le mot à remarquer ici, c'est le mot de vengeance. Mais par oublier, de dire que, quand que de ça nous est qui ça qui repose sur bail on dit tombe toujours va vrai ça te dis tombe toujours parce que l'autre monde encore tu dieu tomber même gens avec nous mais là nous avons là dans l'Apocalypse, chapitre 8 verset 5 là nous l'ange dans ça il fait il prend ce soir là il remplit le feu et jette sur la terre ça veut dire qu'il ça? Priez ça, que l'ange-là prend devant le trône pour le mettre devant l'agneau, de, de, devant le trône. Puis il y a des ces, mais C, Verset 4-là, nous dit. Qui continue verset 5-là? Qu'on a, qu a remarqué, lorsque il prend, qu'on a là, lorsqu'elle prend la prière, Lorsque en Corne d'Arabie, ça, ça c'est l'exhaustion de la prière des saints. C'est-à-dire que il y a un moment de vengeance, moment de vengeance. Nous saluons le frère Mustafa Chéri. de Victoria. Donc nous que, il y a que moment de vengeance. Et, le texte a dit lorsque. Merci que bonjour béni vous. Le texte a dit lorsque l'ange là. Verset ce Pas vrai? Nous là? Nous là avec moi? Lorsque l'ange n'a c'est pas besoin de dire sur le Où est par <laughs> ouais, ça? Parce que c'est le la il lague avec le feu rempli du feu de l'autel et le jette sur la terre. Nous avons dit d'abord dans la théologie biblique. Le feu, c'est le symbole du jugement. dit Le feu, c'est le symbole du jugement. Donc ça, c'est important. Donc nous acue, il prend et bien encore l'exhaustion de la prière des, des, des prières des saints et puis gueule sur la terre et puis gueule sur la terre. C'est à dire il y a eu des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Cela sous-entend que la prière des saints, la prière qui nous n'a n'a fait fécondité à la de ça. Lui monté au trône de la grâce, ça a souligné. Tandis que pendant, pendant, eh bien, la tribulation, prière des matières, il a monté au trône du jugement. Et il y a retombé sur le monde. Il a retombé sur le monde. Il a monté au trône du jugement et après tombé sur le monde. Et là, il tombe sur le monde, nous, ouais, c'est catastrophe. cest à mais ça a passé, tremblement de terre. Tonnerre. le déclenchement eh est, 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 est naturel et même surnaturel qu'a a fait sur la terre. Donc, ça veut dire, ça veut dire, il y qui est important. Paul, lui parle de charbon à dent, qui ramasse sous tête pire si on pas repenti. repentir charbon à dent. et sous hôtel là dans le ciel là prier des saints yo il y a ramassé comme des charbon à dent, et prier par exaucer. Comment prier pour exaucer Abraham 5, verset 8. Abraham 600. Abraham 600. Abraham 6, verset 8. Abraham 5, verset 8. Il dit Quand il ouvrit, quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 êtres vieillards se postillaient devant l'agneau. Tu chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Ok? On a regardé qu'on a là, dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10 là. Verset 2 déjà, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à qu'un médecin et véritable t'adras-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ah, vous remarquez, ouais, ouais, c'est deux types de prières qui sont différents. Ouais, nous voyez ça? Deux types de prières. C'est ça, ça fait nous dit que, eh bien, lorsque, eh bien, il a prié là, et où ça, l'ange l'en fait là, l'ange l'apparaît sur l'hôtel là, ça fait, l'ange lui, prend à lui, il remplit le ça, de feu de l'hôtel. De feu de l'autel. Hein E jete sou la ter. An e mou, mbap kak si ou, sou rey la pou kwenye. Si so sou rey kap pase la sou la ter, se sou desi avan koure. E la ou si akon, nou genye des serviteur, des, des servante, kap pouye bon dieu, pase yap mal trete yo. Yap frape yo, yap mande bon dieu, sou ap kite sa kon sa. Jiske zakon. E... Lorsque, l'exhaustion, et puis comme récompense, c'est que des voix et des coups de tonnerre. témoignent d'une part. Tremblement de terre, éclair. La démontrer. Pendant que, au côté, il y a des grossements de voix, des tonnerres qui ont frappé. Non, même temps, tout il y a des tremblements de terre, éclair et, et qui ont montré Et pendant que ça a fait, pendant que ça a fait comme ça, ou là, nous avec moi, on va pas dire non, elles ont dire. Pendant la fête, consa, dit. Pendant que ça a fait comme ça, attendez bien, pendant le tremblement de terre, pendant l'orage, pendant des voix qui ont la terre, c'est alors les sept anges qui ont intervenu et les trompettes ils ont sonner ça va sonner, hein? Ça va sonner. Dis-moi, ça va sonner. Dis-moi, dis-moi, pas mon qui sous avec moi. À là c'est notre sixième soir. Hein? Sixième soir, ça se campé là. Et pendant période, ça, pendant période, manifestation, ça, la tête chargée, ça fait. Ça la terre pendant période tribulation, s'il vous plaît. Et puis, c'est alors que, eh bien,

Mm. Ah, ben, sous je comme ça, ça le dit. Jugement. Deuxième, cest ça dit eh. ça. trompette n'a pas sonné. Et la trompette n'a pas sonné. Eh bien, le monsieur, voilà les sept anges qui avaient. Les sept trompettes se préparaient à en sonner. Non, nous ne pouvons pas ces... pousser. Oh, ok, très bien, merci. Là, pour. <coughs> là. Pas pour septième soir. Pas pour septième soir. Attention. Attention, qui donne votre remarque pour vous. septième soir finira, là. septième soir finit. Non, chapitre, chapitre 8, verset 1. Hein, septième soir finira, là. Chapitre 8, verset 1. septième soir finira là. Un deux septième soir. Azi 7e sceau comme si l'olive qui est ouvert. Dans 7e soir, nous jouons 7 anges, 7 trompettes. Qu'on a là, donnez bien. Qu'on a là, 7 en saio, yo, yo pral souffler 7 coupes. 7 sept coupes. 7e sceau fini là. 7 en saio pral souffler 7 coupes. Et vous et, alors, à partir du verset 7. L'Apocalypse là. Et fait une grande remarque, très rapide, il dit, le premier sonat de la trompette, là maintenant, ça se le son de trompette là, le premier son de la trompette là, le premier ange de pendant le son de la trompette là, ça se dit, de la grêle et du feu, mais de sang fut jeté sur la terre. Ça a une coupe là, ok Tout le son est fini, on a cette coupe qu'on a là. Okay, nous voilà qu'on est attend bien Premier aspect a c'est a nyota pouver couple là Voilà c'est a nyota pouver couple là et qu'on y a là pour 7 soyo pour pour non, pour ça nyota pouver qui t'a pouver soyo Notre verset notre verset ici là juste à selever notre verset dans le chapitre 8 là c'est a nyota ce mouvement là c'est-à-dire que le livre, là, le chapitre 8, verset 6-là, bien, nous voilà, il n'y a pas de encore, non, là. C'est-à-dire qu'il y a l'appareil qu qu'on a, qu a lancé un jour. Parce que dans a trompette, là, chaque trompette qui sonnait son couple qui... qui, qui, qui alors, premier, 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 hein, le premier son de la trompette, verset 7, la grêle et du feu mêlés de sang qui jetaient sur la terre. Qu'on a là, Qu -ce que ce soit sur la terre qu'on a frappé? Et pendant que ça fait, le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute verbe, et toute herbe verte fut brûlée. Nous sommes là, nous sommes doublés. Non! Deuxième moitié de la tribulation. Donc, double la deuxième moitié de la tribulation parce que, et, 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 c'est là, dans Abkhalif chapitre 2, 6, verset 17, qui dit, quand ah, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister, blé, dans, dans, dans cette tribulation que qui veut pour passer, là, et bien, il divise en deux. Trois ans et demi, trois ans et demi. Trois ans et demi, trois ans et demi. Que si Christ allait de venir, bon, ça aux gens, aux gens difficiles, mais à laquelle il a parti, il a même, dans 70 semaines de Daniel. Donc, nous, ouais, pour on prend une première partie de tribulation. Et on une deuxième partie de tribulation. Là, nous, on prend, une première, un jour, ça le fait. Trompette, ni le Et puis, il souffle. il souffle. D'après verset 7 là, eh il va D'après verset 7 là, grêle, feu et sang. Grêle, feu et sang. Qui ça, ça symbolise? Ça symbolise la destruction. Et rappelle, eh bien, deux premiers plans en Egypte. Qu'est-ce qui a frappé? Nous parlons de grosse situation là, ça va provoquer un désastre écologique. Abio hum. a boule. Abio a boule. Donc, nous dans dans ça là, parce que nous ne pouvons pas attaquer pour assurer nous seulement de la du de mais pour assurer nous sommes là et pas me te faire avec vous dernière fois. Vous te fait figure tout le bagaille. Mais nous parlons de ça. ça nous ça Qui ça chaque saillot symbolisé. Nous, nous l'autre mardi, si je veux, nous avons retourné le chapitre 7 là. chapitre 7 là, que nous titrons comme ça et, et Les rachetés de la tribulation nous citerait le rachet de la tribulation. Chapitre 7 là. C'est-à-dire, pendant la tribulation, il y a des gens qui ont sauvé. sauvés. Nous, on les rachetés, mais on les matières de la tribulation. Donc, pendant la tribulation, il y a des qui ont Maintenant, ça va me grimper là, parce que quand nous finit à 1,5, il y a une grande question servant nous à te poser, nous, et nous devons tout le monde qui est là avec nous, eh bien, participez à la question. ça. La question, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. J'espère que vous vous dit, si vous avez avec vous, vous ne conduire. Vous verrez, je souhaite quelques notes. Et si pendant que ça ne va pas vous ne comprenez pas dans le sixième soa qui annonce plusieurs bagailles là-dedans, et c'est dans le sixième soir, les nouvelles, sept anges apparaissent, j'aurais sept anges avec sept trompettes, et nous, le grand e ange, que nous devons pas les lui même en pile, et nous prenons, et bien, question que ça qui t'est posée, qu'on s'est voté poser, nous, libre? nous allons prendre lui pour même. nous Nous allons prendre ça pour nous Matthieu, chapitre 9. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Sous ce il y a plusieurs considérations que nous allons faire d'ordre théologique avec. Et, plus Plumou. On ne va pas parler trop vite, mais on ne va pas parler tellement trop doucement, tout pour une tâche être finie. Moi, j'ai l'impression, ça va te vous voulez poser une question comme ça Si nous dis que l'Évangile n'a prêché là, c'est l'Évangile de la grâce. Mais comment expliquer que Jésus-Christ est prêché l'évangile du royaume. C'est votre, si c'est ça, on va dire, oui. Si ce n'est pas ça, on va vous la une question. Je vais vous dire, encore. Mais j'ai l'impression, c'est votre, vous voulez dire, nous, si actuellement, on a prêché, ou bien votre sticker, il m'a compris que je ne même pas, avec question-là. Si actuellement, on me dit que l'évangile n'a prêché, c'est un bijou. C'est l'évangile de la grâce. Je tellement dit ça, je me suis même dit là. Comment va voir, c'est là. Priez, la fête qu'on y est là, vous avez demander bon Dieu pour le tout, le monde va tout Parce que quand nous prions actuellement, prions nous pas monter devant le trône du jugement, monter devant le trône de la grâce. Nous, nous couvrir avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi que nous dit que, merci. Ok, très bien. Ba, voilà pourquoi nous disons que nous avons prier pour vous demander Dieu. Ah, mon Dieu, tout est tout est tellement est mon avis, Parce dit, mon Dieu patient, ben vrai. Parfois, nous voyons que mon Dieu a compté sur Ça, vrai. Il pas le en repentir, ben vrai. Il pas le champ que, pendant une période de tribulation, prière, là tout. Ce n'est pas prier de la grâce parce qu'il dit, mais ben, juste qu'il est, on va venger sur nous. Ça, ce sont des prières d'imprécation. Et dans le chapitre 8, là, pas vrai, automatiquement, nous ça en fait, que j'en au fil et là, de et nous avons dans ce même hôtel-là comme si nous n'aviez une réponse là, pas vrai. Vous l'avez dit, sur la terre. Et sur nous, nous allons très doucement. Jésus prêchait la bonne nouvelle du roi. On prie ce qu'il L'évangile, je dire bonne nouvelle pour Lorsque Paul dit je ne prends honte de l'évangile. Ça veut que ça, dit que ça il dit que il pas honte de bonnes nouvelles là. On prêche l'évangile, c'est prêcher Jésus-Christ. Vous avez que Paul dit sous l'autre monde venir pour annoncer l'autre évangile. Que ça te prêcher à qui une a datem. Donc alors, qui te embattir rapidement avec et bien rebacchio. Là dit d'abord, attendez bien. Il dit, Jésus enseignait dans le synagogue. Le synagogue, on va souligner ça. Pourquoi c'est dans le synagogue que Jésus enseignait Il va enseigner, il va enseigner dans l'église. Après, c'est moi qui m'ai rapide parce que nous gagnons un pile de remarques. Ok, qui m'a aller rapide. On arrive rapide. OK. D'abord, on a dit, question qui t'intéresse plus, c'est votre nom. Ce n'est pas une synagogue, ce n'est pas ni guérison, mais c'est plus la bonne nouvelle du royaume. Par bah, contre, il y a peut-être plusieurs monde, tout. Ça passe dans le tête, tout. Parce que Jésus-Christ a enseigné, enseigné le royaume. L'évangile du royaume. Parce que tu as un jeune on qui va poser des choses comme ça. Mais peut-être que ça, Jésus-Christ, parce qu'il a l'église. Tu oui. Ça arrive. Ça arrive là. -haut. Oui, non, seulement, Mais l'église, parce qu'elle existe, c'est ça. <laughs> ah ouais. L'église, une... parce que Jésus-Christ, c'est l'église. Parce que y l'église. derrière l'église, tout le temps, jésus il y a des Lorsqu'elle dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que ça, pas de personne qui a dit que ça, l'église existe dans l'Ancien Testament. Faux! Pas de, de l'Église dans le Testament. Et ça fait que déjà, après, il nous, pape, je dis ça déjà, je ne pas dire que vous ne pouvez pas être juif, vous ne voulez pas l'Église. Après, je suis pas à moi, y juste un jour, converti. Si vous converti dans le christianisme, il ne si va pas l'église. Mais si pas ne convertiz dans le christianisme, il ne va pas l'église, il ne faut pas aller synagogue.

Okay. Bien. Ok. En effet, nous parti Nous disons qu'il y a une différence. Exactement ce même. L'église prend le sens au jour de la bonne côte. On se pense que c'est ça même. Parce que Jésus dit Je vais bâtir mon église et le jour de la bonne côte, Pierre prêchait combien mille âmes Trois enfin, mille âmes, hein Puis il a la repentance, là, l'église a fondé à Jérusalem. Ok, bien. Tu là ensemble avec nous. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Première question à poser là, l'évangile du royaume, quel royaume De quel royaume Jésus a parlé Est-ce le royaume de Dieu ou le royaume des cieux Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Là, nous, nous disons le royaume de Dieu, le royaume des cieux, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas sorte différence entre la mais il y a une différence. Le royaume de Dieu, nous allez aller là avec vous. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu s'étend aux croyants de tous les âges. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est c'est la sphère d'activité divine qui comprend toute intelligence morale, volontaire, soumise à la volonté de Dieu. cest que, bon Dieu dit, tout le monde, mais tout le monde, ça, soumette à vous. Tout le il a un royaume, mon Dieu. Quelle intelligence, la moralité, etc., dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est universel et spirituel. Ça dit, ou pas, où le royaume de Dieu Mais nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est ça très important. Hein? Nous sommes dans le royaume de Dieu, ou pas, le royaume de Dieu Le royaume de Dieu est universel. Le royaume de Dieu est spirituel. Hum. Le royaume de Dieu, lui est d'abord dans le passé, L'étendue dans le présent, et la étonner de l'avenir. Mais après, prend encore. voyons des Dieu, l'universel, l'espirituel, ou pas, ou elle, depuis notre dispensation même de l'innocence. Quand on parle de dispensation de l'innocence, de l'innocence, nous depuis sur Adam. Adam, nos premiers parents étaient que ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Depuis dans de l'éternité. Si ça fait nous dire le royaume de Dieu, l'île D'abord, l'île spirituelle ou pas, ouais, l'île là. L'universel du royaume de Dieu. L'île de de tous les temps. Depuis le, dans le passé, le royaume de Dieu était là. Dans le présent, le royaume de Dieu est là. Et dans l'avenir, le royaume de Dieu sera là. Ça veut dire, nous sommes dans le royaume de Dieu. L'Église est dans le royaume de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, c'est dans le royaume de Dieu. Même pas dans la période millénium, Eh bien de le royaume de Dieu parce que c'est bon Dieu qui a gouverné c'est bon Dieu qui a dirigé bon Dieu s'est trône ça c'est le royaume de Dieu assurément dit oui pasteur nous donnons tout ce qu'on dit mais nous besoin de référence nous parlons doucement ça nous pas la définition du royaume de Dieu mais référence pour eux mêmes Luc chapitre 13 Verset 28-29. rapide, parce qu'il a galopé là pour garder l'intérêt, je vais répondre question. Alors, moi, je vais répondre à une question 1, 2, papa, dap de le prendre sans nous pour nous comprendre bien. Luc chapitre 13, verset 28-29. C'est ça, Baoul, là. C'est qu'il y aura des pleurs, des responsables dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors dans le royaume de Dieu. Ouais, dans le royaume de Dieu. OK Maintenant, c'est avec un Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. C'est nous là pour nous nous là. C'est très important. Il me dit, il viendra de l'Orient de l'Occident, du Nord et du Sud et, et du Midi, et, 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 et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Parce que tout le monde l'adore. Les, les, les racheter, les sauver, les croyants. Dans le royaume de Dieu. Hébreu, chapitre 12, verset 22-23. Ça, c'est référence pour le royaume de Dieu. Hébreu, chapitre 12, verset 22-23. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Je vais prendre le temps pour m'expliquer tout le verset. Yo. Parce que si je vais expliquer, je vais pas une bonne question. Nous avons 14 là. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas. Le manger le boire, mais la justice, la paix et la joie par le cité esprit Ça à dire que les gens qui ont un royaume, mon Dieu, pas vrai? bon ont un comportement okay, sur le plan moral, qui s'allie allié? Il faut que vous -so de la justice. Il faut que vous ayez de la paix. pour faut que vous de la joie. Et qui est-ce qui va ça? Le cité esprit Le paix de la paix là, pas sens c'est pas ce n'est pas la paix sociale, s'il vous plaît. C'est la, la, la quiétude de l'esprit, la paix de l'âme. Il fils que dans le royaume de Dieu. Et bien quoi, mais comme ça, le royaume de Dieu, c'est pas parce qu'il a passé. Et, il fait vivre de la justice. Il fait vivre la paix. Il fait vivre la joie. Et qui est ce qui est-ce l'esprit. Ça veut dire que nous-mêmes Et qui en Haïti. remarqué en Haïti. qui là à la règle, et puis à la règle et puis au va ouais et puis on m'en fous, et m'en fous. va mais la Bible dit tout ça, et puis bon, je vais mettre la paix en dedans, parce que vous êtes dans le royaume de Dieu, cest à que ça, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, il y a une quétude, il y a la justice, il y a sans gouverneur, voilà pourquoi, un chrétien sérieux, chaque sale pas préfet, li gade este l'envolote mon Dieu, kom etan de kom l'enfant du rayon, esko dan l'envolote mon Dieu. Ti ve se mbola, l'ot ve se, kon lo se kade ve se onze, kon lo se kade ve se onze, mbap gade, mbap gade, mbap gade, mbap gade screen, mbap gade ekran, mbap gen tentasyon pou mespike tout ve se, wawen se da, mbap gen defini akisyon, mbap gade ekran, mbap gen osama, mbap gen lana bon referans, Pour qui ça Pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que, sous le président Katsabdou, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu c'est même bagalier, ou bien verset dans le même, pour dire, non, non, il n'y a pas de bagaille. Le royaume de Dieu a fait. C'est-à-dire, en dehors du royaume de Dieu, Juif l'a donne. Grec l'a la donne depuis le accepté mon Dieu. Baba l'a la donne bien accepté Dieu. En dehors du royaume de Dieu, il En dehors royaume de Dieu, il y Pour le 4 verset 11. Ephésiens 5, verset 5. Act 1, verset 3. Ça me donne un texte pour le royaume de Dieu. Ça hmm. me donne un texte pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'un deuxième royaume de Dieu, il y a des eh, bagailles. Voilà, ah, là, il y a deux bagailles. Ephésie, on le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Voilà, deux bagailles là. Là, après ça, d'anniversaire, acte 1 verset 3. Ça un verset bon concernant le royaume de Dieu. Hum. Ça le dit là, hein? Afin qu'il eût souffert, il lui apparu vivant. Il les a donné plusieurs preuves. En se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a là de Jésus-Christ. Très bien, bien. Là, nous sommes définis avant le royaume de Dieu, y compris des versets qui accompagnent. Maintenant, nous avons commencé à dire qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. retenez nous encore dans Matthieu 9, verset 35. cest dit que le royaume des cieux, Matthieu 9, verset 35, et là dans le nouveau, nous avons seulement expliquer à ce royaume, non.

Le royaume des cieux, nous ne disons pas même, nous différent. Le royaume des cieux, important, il signifie primordialement le règne terrestre de Jésus-Christ. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, veut dit que bon Dieu va régner sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque nous disons le notre Père, nous disons déjà de notre Père, là, je tout accomplissement pendant la période millénium, non, pendant la période tribulation. Et là, ça nous dit, là, ça nous dit, là, ça dansait. nous dit, nous dit, nous c'est comme ça à de nous ou sous pouvoir, on va prendre le vieillissement. Il y a le pouvoir qu'on a prié. Tandis que nous disons que notre Père, la prière sacerdotale que Jésus te baille, eh bien, elle a gagné toute importance pendant la période de tribulation. Nous allons nous dire que le royaume des cieux... C'est ça, Jésus-Christ a prêché là, la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que livrer signifie primordialement le règne terrestre de Christ. Quand le Christ va régner sur la terre. C'est le règne messianique. C'est le règne millénaire. C'est le règne des cieux sur la terre. Quand il gouvernement qui en, en ciel là, la descend la ville sur la terre. Le royaume, ça, que Jésus-Christ a prêché là, la, l'a manifesté en gloire à l'avènement du Seigneur. L'a manifesté en gloire lorsque le Seigneur a retourné. Pasteur qui verseur, il pour ça. Verset, nous y ça. Matthieu 24, verset 29, jusqu'à Matthieu 25, verset 46. C'est okay, ça? Là, nous avons un royaume d'essai. Le royaume que Jésus-Christ a prêché là. Il ne va pas bon, peut-être qu que ça, que Matthieu est différent avec l'autre niveau. Je bon, ça a dire, tout à l'heure. Il ne peut-être que ça, l'or Matthieu, où elle parle en pile de royaume, 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 royaume. Matthieu présente Jésus-Christ comme roi. Et tant qu'elle présente comme roi le message même de Jésus-Christ. Qui dit un message messianique. Donc, le royaume, ça nous dit manifestez-le lorsque Jésus-Christ a retourné en gloire sur la terre. Ablier même qu'avec nous, a gagné le premier retour pour l'église, Jésus-Christ va venir sur la terre. Après, dans les airs, pour le donner l'église là. Le deuxième retour, il a, a descendu sur la terre, sur le mont des Oliviers. Pendant la bataille il et ça, le texte a dit, tout est un universat. Même ça on est percé, you va aller, On va aller rapide. Mbai verset? Oui, m'a verset, oui. oui. Alors on dit m'a oui. verset. Matthieu 24, verset 29. à Matthieu 25 jusqu'à verset 36. Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29, à Matthieu 25, verset A. On va appeler tout net, et puis après, on va parler idéal Luc, chapitre 19, verset 12, verset 19. On va aller rapide, je vais aller lire, passager au boum, boum, pa, boum, Luc 19, verset 12, verset 19. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Matthieu, chapitre 3, Verset 2. Matthieu chapitre 4, verset 19. On me reprend encore, rapide. Luc chapitre 19, verset 12 à verset 19. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 4, verset 17. Après l'exprimer, verset 9. Abraham 1, verset 9. Abraham 11 verset 51. Ça a tout de suite à nous qu'on Salut, frère Franzi, qui est très loin. Et qui a suivi nous en direct. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu protéger. Nous, nous, nous. Ok, je vais vous faire un verset. Pas vrai? Qu'on a là. Là, on a étudié. Ou est tu t'approfondis de la naissance virginale de Christ? Où oui, quatre évangéliaux, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chaque présent Jésus différemment. Matthieu, Marc, Luc, Jean, chaque présent Jésus différemment. Bon, les rapide pour nous-mêmes. Matthieu présente Jésus comme roi. Voilà pourquoi toute question William ou viens dans Matthieu. Matthieu présente Jésus comme moi. C'est-à-dire puisque présente Jésus comme moi, l'Évangile selon ce Matthieu, la première page là, a la généalogie de Jésus, lui monté jusqu'à David, jusqu'à roi David. Maintenant, Matthieu présenté comme moi. On va aller rapide. Marc présente Jésus qui sera comme serviteur, comme esclave. Vous ne pas besoin de généalogie. D'après Marc chapitre 10, verset 45. Marc présente Jésus comme serviteur. D'après Marc chapitre 10, verset 45. Il présentait comme serviteur. Luc présente Jésus comme homme idéal. Il est généalogie Jésus jusqu'à Adam, jusqu'à le premier Adam, il dit comme homme idéal. Jean présente Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole, le logos. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Voilà, non verset pour que vous demandez Jéhovah. La parole était avec Dieu, et la parole était à Dieu. Maintenant, dans la Bible, y a un petit de Dieu, comme la divinité. Non, Jésus-Christ n'est pas une divinité, mais c'est Dieu qui est lié. Donc, Jean présente Jésus comme Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de généalogie. Voilà pourquoi, nous dit que rapidement, Matthieu présentait Jésus comme roi, Marc présentait comme serviteur, Luc présentait comme homme idéal qui montait jusqu'à Adam. Jusqu Tandis que Jean présentait Jésus-Christ comme Guyas, comme Dieu, il n'y a pas besoin, général aussi. Ok, retournez encore avec nous dans Matthieu 9, là. Matthieu 9, verset très bien. Jésus enseignait dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Jésus, peut-être que ça a prêché la bonne nouvelle du royaume. Premièrement, pour comprendre, préparer pour comprendre, Jésus n'a pas prêché avec l'autre monde la bonne nouvelle du royaume, mais il prêchait avec les juifs. Jésus voulait faire juif, vous comprenez, il a prêché ça. Là, ça a eu trois bagages. Jésus-Christ a joué le rôle prophète, il joue le rôle roi Ladol, et je joué le rôle professeur, prédicateur donne. Jésus-Christ vous voulait faire juste le connaît que c'est lui-même qui est le Messie. Le mot Messie, c'est le envoyé. Il prêchait au du royaume pour dire attention, le, 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 le Messie promis, le Messie attendu est finalement venu. Il a dit, ça nous t'appartenait, ça nous a besoin, ça nous a cherché mais il et ça fait que pendant le Christ, Jésus-Christ, eh bien, ça, puis il a dit, il est le roi des Juifs. Il est le roi des Juifs. Juifs dit non, pas dit qu'il est le roi des Juifs. Lui, est, il faut dire ça, faut dire, il dit que, que c'est le roi juif. Juifs. puis il a dit, non, ce que j'ai écrit, écrit. Écrit, 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 je l'ai écrit. Ça veut dire que je fini. chef pas écrit des fois. Là, avant écrit comme chef, pour pas effacer tout, il faut prendre ça. En, en un mot, miracle. Yo. Guérison, peut-être que ça, Jésus-Christ, est fait. Ça, tu as dit, là, il fait ça. Il fait, il fait miracle. Pour attester le message, il y a. Pour faire croire que ce prophète, bon Dieu, il y bon Dieu, vous voyez. Mais Maintenant, pour qu'il y ait qui ça, Jésus-Christ prêchait l'évangile du royaume. Pas oublier, le royaume qu'il prêchait, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est ma sœur. Ça, il prêchait, c'est. Le royaume, le royaume des cieux. Le royaume, ça, l'évangile du royaume, le royaume des cieux. Ok. Peut-être qui ça a prêché l'évangile du royaume. Peut-être que ça. Question. Hein. Eh bien, l'évangile du royaume qu'il a prêché là, il n'est pas prêché aux païens, il te prêché aux juifs. Raisonnant hein, parce qu'il était juif. C'est votre baronne sous là avec moi. Les prêchés, les de ça avec les juifs. C'est presque ouais, l'homme de la Bible là. L'homme de la Bible là, très important. Lorsque Christ dit comme ça quiconque va dans ça, il de l'eau. à qui est À qui est À un plus petit. Qui peut-il dire Qui peut-il Un plus petit de mes frères. Un plus petit de mes frères juifs. Yes, c'est parce que pendant la période de tribulation, les juifs sont tellement persécutés, les juifs ne sont pas tellement des problèmes, où vous acceptez de bon recevoir, juif ou, recevoir les juifs la caillou, pour recevoir une récompense. Pour recevoir une récompense. Je ne si comprends pas si vous avez dit non, je ne comprends pas si vous avez dit je ne comprends pas. Yes, on va dire encore. Alors nous voyons que... Jésus-Christ prêche, message de prêché, hein? Ici, là, la prêcher, le royaume, eh bien, c'est très important, pour les juifs. Message ça, ça pour les juifs. Il ne peut retourner vers les païens. Nous dirons ça. Peut-être que ça? Il prêchait d'abord l'évangile du royaume aux juifs. Parce qu'il était juif. Jésus-Christ est juif D'ailleurs, il dit ça, le salut vient des juifs. D'après Matthieu, Jean 4, verset, verset 22, le salut vient des juifs. Jean 19, Jean 19, verset 9, ce bel texte, pour nous comprendre peut-être qui ça, Jésus, d'abord l'évangile du royaume aux juifs. Parce que ces juifs là ils attendent que ça ait un messie. Ils envoient le roi. Et puis, ça, elle dit, mais c'est moi qui attendais même venu. C'est pour ça qu'elle prêchait ça. Dans Luc chapitre 19. Oh, c'est pas verset ça, qu'elle a cherché. C'est lorsqu'elle dit comme ça. Dans non, 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 Luc 19, « cherchez chercher le moi même si nous cherchons Ma Banou, Ma la C'est lorsque dit comme ça que le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On a parlé avec Zaché. Un fils d'Abraham. qui est-ce qui est, -ce qu est fils d'Abraham n'est pas Juif. Fils d'Abraham pas dit pas la foi, non, attention. Fils d'Abraham non sans. C'est Jufio. Donc, ça veut dire que ça, Jufio, il a obtenu roi Qui a le roi pour prendre place, pour chita pou sur le trône de David. La montre montrer avec vous, si c'est moi. Il well. a obtenu pour... Prends place David là. C'est ça que Jésus-Christ prêchait ma, dans Matthieu 9, 35. L'évangile du royaume. Matthieu 9, 35. Il prêchait l'évangile du royaume. Il voulait dire aux juifs comme ça. Mais sans taper non Ou à taper maintenant. Mais nous. Prenez la question pour nous. Question pour vous. Si c'est moi Question pour tout le monde. Est-ce que je veux t'accepter accepté pas ouais. Est-ce que je veux t'accepter ou ouais on me dit, pasteur, où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on est à j'ai le premier verset 12. Vous est-ce que verset 12 Est-ce que vous êtes accepté J'ai le verset 12. Le verset 11, verset 11 d'abord. Verset 11. J'ai le verset 11. Est-ce que vous êtes accepté C'est là qu'on a là. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Qui sont ces siens Les juifs elle, elle dit, elle a, cest qui ça La lumière. Elle, la parole, le logo, c'est fait cher. Elle dit, mal la caïmoune, pas c'est ça. Et ça a passé, il n'y a pas de recevoir. Et puis verset ben, 12, là, bon, moi l'évangile qui m'a prêcher, hein, qui m'a prêché, le là, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés. Je crois dans le verset, dans versets, dans le verset, dans, dans Jean 1er, un bel texte, un bel texte dans, dans Jean 1er. Nous saluons le pasteur Eliasim depuis Porto Rico, de Dans Jean, Dans Jean 1er, dans Jean 1er, dans Jean il y a un texte, même Jean 1er, a un texte qui, qui est important en pile. Et texte qui dit ça, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Ok, si nous jumelles, si nous jumelles, la voie est nous, pour nous, qui nous qui nous guide nous. Va, 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 Alors nous, que après le rejet, après le rejet total de l'Évangile. Du royaume pour les juifs, ça va toujours dire nous attention, ça n'a pas fait Jodia, ça n'a pas fait Jodia, c'est pas mon tas de fêles. Amen, pasteur Yassim. Ça n'a pas fait Jodia, pas mon tas de fêles. Ça, vous même prédicateur, n'a pas fait Jodia, c'est le juif, le tas de fêles. C'est le tas Enseignez-nous. Mais il y a arrivé le fait que ils n'y pas recevoir Jésus-Christ, et il tourner le dos vers les païens. Ça sont belles belle, belle question, questions, monsieur. Je vais vous donner de question. Il tourne dans le verre païen. Maintenant, actuellement, il y a une fourchette qui est ouverte. Une fourchette qui est pour l'Église, pour les païens. Ça dit ça, ça fait que nous disons que. Mais Jean 1er verset 17. Jean 1er verset 17. Jean 1er verset 17. Très bien. Exactement. Il dit Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire a parlé avec, a dit, vous avez avec vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Ça veut dire il a, le fait que vous recevez messie ce le fait que pas Jésus comme roi comme un roi il prêchait l'évangile du royaume lui prêchait il, prêché, il dit c'est moi même nous t'apprends, non par ce voile et bien lui tourner le dos maintenant vers l'autre nation vers les païens voilà pourquoi l'Église lui composée des Juifs et des païens convertis tandis que, que c'est très important donc lorsque Jésus-Christ prêchait lui prêchait d'abord Jésus-Christ et bien il prêchait à Juifs d'abord à Juifs d'abord à Juif, il prêchait eh et, et le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume des cieux, excusez-moi. Il prêchait le royaume des cieux. Et ça fait que, regardez bien, les apôtres nous prêchaient la grâce. Si on parle aux juifs de grâce, il n'y pas de grâce jusqu'à maintenant. Les juifs, à temps qu'on est un grand Messie pour venir tablier et ça fait 12 dit ça où est que le roi d'Israël, va qui côté toute toute grenaille du côté côté était encore hein le dit ça bon moi des olivier parce que on dit comme ça le monsieur a tourné c'est là l'a tourné avant fois ou avant donc cela veut dire que donc l'évangile, que tourner encore la machine c'est flappe pour nous-mêmes donc nous est que Matthieu 9, là, eh bien, il y a, il y a, il y a plusieurs comportements là-dedans. Matthieu 9, là, il est associé avec Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23, ça le dit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues. Peut-être qu'il ça Jésus-Christ enseigné dans les synagogues. Il sait, dans les synagogues. Moi, je dis déjà, peut-être qu'il ça, parce que c'est juif qui est si qu'on y a la rentrée au synagogue juif, on ne pas de la synagogue On ne pas faire On ne peut pas faire de la maison. On ne pas occupé. On ne pas faire de la maison. dans le synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Là, c'est ça. Nous, là, ça, c'est l'autorité du roi. Pablo, Matthieu présentait Jésus-Christ comme ça, comme roi. Si ça fait que lui fait monter généralogie Jésus-Christ jusqu'à jusqu David. Maintenant, l'évangile du royaume que Jésus-Christ a prêché là. ce n'est pas dans le sens que le royaume de Dieu, mais c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée enseignée dans les synagogues. C'est ça qui nous dit que l'église juif, eh bien, il parlez à l'église. Ou pas juif, vous parlez à l'église matin. Il, parle, il, il observe le sabbat normalement. Chaque samedi, il Mais l'église, eh bien, il adore le dimanche, le jour de la résurrection. Le jour du Seigneur, qui compte avec le jour de l'éternel. Très important. Donc, le, donc, donc ça veut dire que ça, Et, puisque mystère, ministère, ministère, le ministère de celui qui dit je suis le roi des juifs, il déroule d'abord où ça chez les juifs. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Même pas pour notre père. Donc, l'enseignement dans le synagogue. Synagogue, c'est quand les juifs sont rassemblés pour faire un culte seulement les juifs. Jésus-Christ, l'enseignement, l'enseignement. Nous était comme ministère prophétique parce qu'il était prophète. De Deutéronome 18, verset 15 à 19. Deutéronome 18, verset 15 à 19, Jésus-Christ était prophète. C'est ça qui dit, c'est ça Lui prêcher, lorsqu'il du 18 ans, et pour après, l'idée. L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Un prophète comme moi, vous l'écoutez. Ça, c'est prophétie concernant Jésus-Christ. Lui prêcher l'évangile du royaume. Attention, non pas pour les païens de son temps. Parce que le disent pour toi là, mais pour les juifs. L'évangile du roi que tu as prêché c'est pour les juifs d'abord. Le, le salut vient des juifs. C'est quand tu es frère d'abord. C'est puisque qu on a là, il n'y a pas recevoir, qu'on a li, li ça le fait, il prêcher l'évangile de la grâce. Il tourne qu'on a là, il dit on me fait grâce. Et c'est ça que je suis capable comprendre Paul, il dit le Romain, eh bien, porte là, ouvert pour ou, tout le temps, passer, pour être ça. Pour toute parler au fil d'entrée, tout parer au fil d'entrée qu'on a là, juifio. Vous avez que bon Dieu pas j'étais juifio non? Totalement parer, j'étais non? C'est ça, ça la petite idée, ça nous parle étudier mardi soir si je veux, Nous parle étudier mardi soir si Dieu veut qu'on nous parle étudier. Hein? Le racheter de la tribulation. C'est-à-dire, pendant la période de tribulation, les 144 000. L'évangile que Jésus-Christ a prêché, le royaume des cieux, pendant le pays de tribulation, d'après le chapitre, Jean chapitre combien? Chapitre, non, Apocalypse, chapitre 7. Vous bah, parlez les 144 000 prédicateurs juifs qui vont prêcher l'évangile du royaume. de prêcher l'évangile de la grâce pendant le pays de tribulation. Nous allons prêcher le Vangile du royaume. repentez vous pour entrer dans le royaume millénaire. Est-ce que je vais aller trop vite ou est-ce que nous plus ou moins comprenons? Donc, en effet, le bien fondé de message là, c'est que Jésus voulait enseigner, d'après le texte là, que bon Dieu n'est sous les point. D'accomplir son alliance avec Israël sur la terre. Mettez mes messages Mettez Matthieu 9, verset 35. Enseignement, puisque Israël était brisé l'alliance là, vous était brisé l'alliance là, eh bien, bon Dieu voulait, à travers Jésus-Christ, pour lui, eh bien, reconsidérer l'alliance alli ça, Alliance avec Israël sur la terre. C'est peut-être ça, ça très bien. Israël, espérance, Israël, à l espérance, l'église, je même. Ah oui! Nous pas parlons même espérance. Vous comme ça? Oui! Nous L'Église, parlons même espérance. L'église, Qu l'espérance, qu'est-ce que l'église disait? Espérance céleste. Tandis que, Israël, Espérance terrestre. Si vous parlez de l'Israël du ciel, vous parlez de ça. Vous dites que vous connaissez même le nouveau théâtre a une réunion là. Il y a un bagage qui fait aujourd'hui, nous y a un peu de temps, côté président Trump, après ça, ou il y a un accord qui voulait faire ça entre Israël avec le Brun et les Palestiniens. Donc, il un problème, il y a Ça, c'est vraiment très corsé. Il y a un peu de alliance qui va faire avec Israël pour tout le temps pendant que vous avez dit ça. Alors, c'est le bras brisé. Donc, en effet, peut-être qui ça nous dit que Jésus-Christ s'est prêché l'évangile du royaume pour les juifs, pour te dire attention, Messie mais moi, c'est moi-même qui me suis et je ne peux pas accepté. Voilà le principe même de l'horizon dominical. Le Notre Père, le Notre Père, quand que notre Père paris Le Matthieu pas ça Le Matthieu nous, notre Père Yeah. Ah bien, le Notre-Père, nous, je que ton règne vienne que ta volonté, pendant nous disons que l'Église, ça va prendre le Notre-Père dans un moment ça, comme aspect dévotionnel. Mais le Notre-Père, il a dit tout, il a dit ça, tout accomplissement pendant une période millénaire, non, non, excusez-moi, pendant une période de tribulation, quand tu es, eh, la tribulation est tellement dure, elle tellement raide, chaque jour, je suis dire que tu reviens. Je suis tellement calé, je suis tellement passé, je ne veux pas de passer misère. Je suis dit que ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Il y a tellement de grands goûts, d'ailleurs, nous dans la scatologie, il y a pas de grand goût, pas vrai? pas grand goût, parce que si tu veux sur de ciel là, il boulot vous ne pouvez pas dire, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le temps a battu pendant ce là chaque fois que je suis battu, je dis pardonnez le péché, nous, même si je n'ai pas donné avec ça qui fait nous mal. Je dis que tu reviennes, que vous faire sur la terre comme dans le ciel-là. Ça, c'est le notre Père.

et bien, comprenez ça, vous, vous passer le notre Père, il a toute force de l'accomplissement. Je suis un moi qui, qui te pose une question. Hein? Sous-édifié, nous te voulons seulement faire râler pour vous-même dans le verset ça pour nous montrer tout ça verset à gagner là-dedans. Je vais répondre par A plus B parce que c'est une pile vérité là-dedans. Euh, nous salons, maestro de Piaïti. Que bon Dieu bénisse. Donc, nous sommes là. Si vous avez une remarque, une question, tout à fait concernant, étude nous pour soya sur l'escatologie. Je le vais manquer la venir Lorsque le 10 fait, sont comment ça va aller, Pas hésiter, écris-nous. Faites-nous connaître, plusieurs personnes font ça, on fait des recherches, on étudié ensemble la parole de Dieu. Pas dans l'escatologie, ce n'est pas une étude ex Merci, c'est moi Ce n'est pas une étude ex-cathédrale. Tout prédicateur, nous, qui abordent l'eschatologie l'escatologie comme doctrinal, c'est un problème. Pas de problème, a un problème. Voilà pourquoi nous sommes là-dedans, nous avons le petit matical. Parce que ne peut pas entrer là-dedans comme ça. Nous pouvons entrer sur là-dedans. Donc, même espérer que si ça nous dédie à Soya, le Seigneur te fera plaisir. Et si toutes les fois ensemble ça nous dédie au Gebagai, qui va comme si qui va tellement clair vous même le Seigneur va illuminer eux. Mais ça qui est important, vous avons répété Jean texte a dit heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui bonjour béni à soi-là. Bon Dieu bonjour accompagné, nous saluons tout le monde qui est avec nous. Eh bien sous 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 qui t'a branché avec nous, nous saluons nous saluons frère Franzi, sœur Franzi, nous saluons Sœur nous Magali Jean, ma Tata Jean, nous saluons, nous saluons sœur Nélande d'Orsainville, nous saluons sœur Lena, Jean-Pierre qui est avec nous, nous saluons encore bons amis nous, bien amis haïtiens, on grand travail en Haïti le pasteur Eliasim qui prédit bien de même 20 combien presque 30 30 combien de temps et bien il a enseigné et bien il a monté a prêché en Haïti tout jeune est passé en Haïti comme 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 comme, comme missionnaire donc nous pensons que bon Dieu a continuer bénir nous saluons Haïti de qui avec nous nous saluons plusieurs Sœur Cynthia nous saluons frère et sœur Franzi. nous saluons que bon Dieu bénisse que bonjour, à Merci ou même qui était cher avec l'autre monde, et bien avec l'autre Zemmour, qu'on va au ministère, et bien étude ça, que nous gagnons chaque mardi, dans le ça. 44 années, merci Pasteur Yassim. 44 années depuis qu'il a monté des sons en Haïti. Donc sous-paraitre, ah, ah, merci à moi, conseil de votre qui dit ouais, Le commandant a fini. L'affaire au bout, au pied. Beuf pour moi. Mais malheureusement, on va manger beuf. Leur adieu. Donc, nous disons, mon Dieu, merci. Et nous allons prier. Pour mon Dieu, bénis-nous. Nous, nous saluons, pasteur Yassine, Donc, nous saluons, madame. saluons l'église pour nous-mêmes. Donc, c'est bon ami l'église. C'est bon ami nous. Et c'est l'église. On a ici. Nous avons mis ça à valet de bénédiction. Donc, qui est la première avenue, donc, nous allons saluer lui, saluer tous nos amis. Mon, nous saluons Nous le maestro Etienne qui est avec nous depuis, eh bien, on Nous saluons tout le frère, frère Moustapha depuis Haïti. Nous saluons tout le monde qui est avec nous, mes amis. Je ne vais pas citer combien de monde qui est avec nous. nous, nous le monde qui pas saluer nous, c'est le monde qui est sur YouTube, nous, nous le monde qui est sur Radio L'Église. En attendant que nous allons, nous allons, nous allons supporter le ministère. Ça, eh bien avec site ouais euh, nous bien contents c'est grâce à support support qui fait que nous mouvons. jouer, nous là. C'est grâce à avec support, supports, sous comment supporter nous, eh bien, à, avec, à nous quoi, que, et bien avec le Cash App, nous croyons que frère nous y mettez sur site là pour nous-mêmes, que ce site là pour nous-mêmes. Souvenez et eh bien supporter nous, nous sommes bien contents. 954 373 42, Cash App sous sou, ça pour nous-mêmes. Nous sommes nous, bien, bien contents. Parce que c'est grâce à vous-même, gens qui ont supporté nous, pour nous venir jouer dans la carrière où plusieurs monde ont béni à travers, études de nous, à travers, messages. Moi, je veux saluer tout le monde tout, qui était avec nous dans la salle. Je -là -là. Et, veux et saluer M. Bijou, nous remercier ce Bijou, M. Gabriel, M. David, M. Fédeline. Féfé, -fé, vous avons ce que c'est nous, nous, pasteurs. Yes, yes on no? Et le nom Ok. On créole. It will be good for you. Ok? Nou salye, ebyen, eh mette anon nou la frè, frè, Jonathan, avek ekip li, Sendez? Mendez? Mendez ki la let nou, en salye le fatigab, chè Ivana, nou wèm kon bel ekip ki avek mwen, nou va priye pou yo mèm, pou nou mèm, s'il vous plè, se grasse avek yo mèm, ki fè de nou fini preparer etude la, pou vin joun la karou, so apote rikou, so an Europe, so an Afrika, côté au château avec qui est au Brésil. Mais nous va prier pour le pays d'Haïti. Ça nous connaît. Mais il n'y a pas près de quoi ça. Parce que vous un petit groupe pour nous. Deux choses, l'une. Soit le Seigneur est venu, il on a un de l'église, il n'y a pas vrai. Ou il bah, nous force pour nous supporter, ou bien améliorer les choses. Prions le Seigneur jusqu'à vous de vous laisser partir. C'est père en Jésus-Christ nous vous remercions à soya pour le privilège et l'opportunité que ont accordé nous malgré faiblesse nous malgré l'imitation nous malgré infidélité nous nous vous remercions parce que pécheurs que nous sommes, vous mettez au trésor si précieux dans nous-mêmes c'est l'évangile nous vous remercions à soya parce que nous sommes partisans, nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous nous, Seigneur, pour nous vivre de la justice, pour nous vivre de la paix, pour nous vivre la joie sous nous-mêmes. Que cette paix, la quiétude de l'esprit, l'envahisse nous. Seigneur, sois nous de merci. Pendant période difficile, pandémie ça a traversé plusieurs mondes, plusieurs églises, plusieurs frères nous allaient, nous avons créé des jusqu'à 7 minutes. Hein. L'Éternel nous a secourus. Restez avec nous, nos frères et nos sœurs, nos amis qui sont en Haïti, Seigneur, dans le moment ça. Peut-être qu'on a envahi par la peur, par la frustration. Peut-être, hein, Seigneur, quand on qu'on a acquis ce que vous criez? crié. Mais permettez-moi à ce moment-là, je vais lever le jeu au vent montaigne. Je vais qu'on secourne à ce là Merci pour frères frère nos nous qui étaient avec nous. Nos pasteurs qui étaient avec nous, qui étaient branchés avec nous. C'est ça, nous merci, Seigneur vous nous parce que Yassim, dans la maladie, Lio, pas de qui te abandonné, Et vous toujours avec lui, qui bien le grâce. Il a toujours été pour prêcher la parole de Dieu à toutes les circonstances et dans tous les moments. Merci parce que vous avez préservé la vie. Nou, et nous vivons nou dans un moment où nous en chair avec les amis qui sont sous ligne avec nous, qui sont sous net avec nous. Nou. Seigneur, pas oublier le premier sou envers nous-mêmes, car Dieu nous va garder nous à l'heure de la tentation qui doit venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Merci pour la protection, merci pour l'assurance du salut. C'est la prière que nous adressons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. à lui seul soit la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ, lesquels surpassent toute connaissance des hommes et des anges, restent et demeurent sur avec nous. Non, pas seulement pour ce soir, jusqu'au grand matin de l'éternité bienheureuse. Allez et restez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Merci tout le monde et à la prochaine. God bless you all.